Salut, c'est Seb, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui est comment éviter le tapage nocturne. Ou si on pose la question différemment, c'est comment éviter d'avoir des voyageurs qui vont faire du tapage nocturne ou qui vont faire du bruit dans ton appartement sur Airbnb. Donc aujourd'hui, je me situe dans un lieu que j'apprécie particulièrement puisque c'est un lieu que je viens régulièrement quand je suis en balade en Thaïlande. Donc c'est un temple qui est assez exceptionnel, puis c'est surtout que c'est un lieu qui est très calme. Alors aujourd'hui ça l'est un petit peu moins parce que on est sur une période plutôt touristique, donc il y a un petit peu de monde, mais ça reste un lieu où tu peux méditer, tu peux te poser, tu peux réfléchir, un lieu où il n'y a pas de stress, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de nuisance sonore. Et justement je trouve que c'est plutôt un lieu intéressant où je vais te parler de la nuisance sonore et comment éviter d'avoir de la nuisance sonore ou comment éviter que tes voyageurs fassent du bruit dans tes appartements sur Airbnb, parce que c'est quand même un problème assez fréquent, assez récurrent, et c'est un problème qui peut clairement faire monter la pression au niveau de la copro et ça pourrait remettre en question ton business sur Airbnb. Donc on parle de tout ça tout de suite dans cette vidéo. Alors pourquoi je te parle de tout ça? Parce qu'il y a de ça quelques... je suis un peu en galère avec un de mes appartements où j'ai la propriétaire du dessous, de l'étage juste en dessous. Donc c'est pour situer un peu le logement. C'est un logement qui est ancien, donc avec du parquet ancien, donc assez bruyant de nature, enfin assez bruyant on va dire de base. Et ce qui se passe, c'est que la locataire du dessous, s'est plaint plusieurs reprises de bruit, de nuisances sonores. Et donc justement, elle remonte tout ça à la copropriété, ce qui est un peu gênant. Et d'ailleurs, c'est un souci qui arrive régulièrement sur les appartements Airbnb. Faut quand même être clair par rapport à ça. Et c'est des choses qu'on ne dit pas forcément sur YouTube, mais c'est que Airbnb dans les copros, ça n'a pas forcément bonne presse, on va dire. Mais bon, ça n'empêche pas que tu puisses le faire. Aujourd'hui, la loi te permet de faire du Airbnb, donc on va pas s'en priver gagner de l'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que donc moi ça m'est arrivé, donc du coup du tapage nocturne, etc., des plaintes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Première chose, c'est que déjà j'ai essayé de comprendre à quel moment ça arrivait surtout, ces tapages nocturnes. Donc ça arrivait surtout finalement le vendredi et le samedi soir. Et ce que je m'étais aperçu en plus, c'est que c'était essentiellement pour des réservations d'une nuit. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que sur Airbnb, j'ai paramétré en sorte qu'on ne puisse uniquement le vendredi et le samedi, on soit obligé de réserver au minimum deux nuitées, pour être certain que du coup, je récupère que des réservations plus longues qu'une nuitée. Et du coup, ça fait en fait un filtre, c'est-à-dire que du coup, j'ai plus des profils de personnes qui viennent en famille, et qui viennent pas du tout pour faire la fiesta, qui viennent plutôt pour découvrir ma ville, ou alors ils ont peut-être un événement dans cette ville-là, ou ils viennent pas en mode fiesta, ce qui n'est pas le cas justement des personnes qui viennent faire la fiesta. Généralement, plutôt profil de personnes qui réservent une nuitée et qui viennent profiter de l'appartement pour faire une fête entre amis. Donc de base, je peux le comprendre, on a tous fait des fêtes, on s'est tous amusés, mais malheureusement, on fait quand même un business qui aujourd'hui, il faut faire attention quand même. Donc, du coup, j'ai mis ça en place. Donc c'est vrai que j'ai plus de réservations la nuitée, le vendredi et le samedi. J'ai vraiment des réservations au minimum de deux nuits, voire toute la semaine. Et du coup, j'ai un autre profil de client. C'est pas du tout le profil de personnes qui viennent faire la fiesta, pas du tout. C'est vraiment le profil de personnes plus famille ou plus des personnes qui réservent pour le travail, par exemple, qui viennent passer toute la semaine puis qui restent le week-end. On est vraiment sur un autre type de profil. Et donc, c'est du coup, j'ai vraiment limité les problèmes de nuisance sonore grâce à ça. Autre chose que tu peux faire aussi, une autre technique, c'est de paramétrer sur Airbnb. Tu sais, dans les options, tu as moyen de sélectionner que les personnes qui sont recommandées. C'est-à-dire que tu prends des réservations, tu ne peux prendre que des voyageurs qui ont été recommandés par d'autres propriétaires, d'autres hosts. Donc ça te permet déjà de faire un premier filtre. C'est-à-dire que si une personne avait fait la fiesta dans un autre appartement,
Il y a très forte chance qu'il n'a pas été recommandé, et donc du coup ça veut dire que tu l'auras pas, tu n'auras pas ces personnes là. Alors sauf si c'est sa première fois effectivement qu'il réserve sur la plateforme, là ça va être compliqué, parce que du coup bah, ça sera sa première réservation, mais voilà, déjà au moins tu fais un premier tri par rapport à ça. Et puis après bien entendu, dans les autres choses que tu dois faire, bon bah ça je vais pas, ça coule de sens, mais c'est voilà, c'est bien leur expliquer dans le règlement, dans les règles de ton listing, quand les personnes valident ton annonce, tu remets bien toutes ces règles qu'ils doivent respecter. Puis tu peux aussi leur ajouter à travers bah, soit ton manuel d'accueil quand les personnes arrivent dans le logement, soit rajouter carrément des écriteaux derrière la porte d'entrée en mettant que aucune tolérance sera acceptée sur les fêtes après 22h ou sur le bruit après 22h, et que si ça devait arriver, eh bien voilà, il serait chargé de 2000 euros par exemple. Tu mets une somme totalement farfelue pour bien faire comprendre que voilà, tu vas pas rigoler avec ça, et que derrière c'est absolument indispensable qu'il respecte, qu'il n'y ait aucune nuisance sonore après 22h. Donc voilà les différents points, j'espère que c'est des points qui vont pouvoir t'aider. Hein. Donc si on récapitule, petit 1, tu mets un minimum de nuitées, tu mets pas une seule nuitée pour éviter justement des personnes qui viennent juste faire la fiesta, qui viennent juste réserver une nuit pour faire une fête. Tu mets minimum de nuits, mais tu peux vraiment le préciser, tu sais, dans ton calendrier, sur Airbnb ou même sur Booking, tu peux le préciser par rapport aux journées, aux jours de la semaine. Donc toutes les autres journées, tu laisses un minimum d'une nuitée. Et puis, sur le vendredi, le samedi, le dimanche, par exemple, tu mets que c'est minimum deux nuitées.